Attention à l'écran de session, tout le monde t'entend. Même si j'appuie pas sur push to talk. Moi je me suis dit, si j'appuie pas sur push to talk, c'est ok. Oh, il y avait un lit! Il faut que t'appuies, ouais, ça va, ça va. Mais oui, au moment où j'essaie de parler, mais je crois qu'on me répondait pas trop. Alors bonjour! Mais oui, je t'entends des fois dire bonjour ou discuter un peu vite fait avec les gens quand tu sélectionnes ton perso, je trouve ça rigolo. Ouais, bonjour l'ami. Là je pense push to talk. Ah ok. Ah ouais, moi j'ai mis en push to talk tout le temps. Dans mes yeux. Je vais mettre là, je vais appeler mon cheval. Mais drôlement il est énervé celui-là. Pourquoi ils sont toujours énervés les chevaux quand ils viennent à nous? Pas à Saint-Denis. J'ai envie de découvrir enfin cette ville. Enfin découvrir. RP. Bisous Infernalou, je te dis. Eh je sais pas, je l'ai dit dans ma tête je crois. Au pire j'enverrai un message pour lui dire bonne nuit. En disant que je lui ai dit dans ma tête. Bonsoir. Oh. Tout va bien, tout va bien. Ah bah il... Ouais dans la tête. Désolé. Bonsoir. Bonsoir Infernalou, des bisous. Merci beaucoup pour la modération ce soir. Merci. Désolé. Non mais tu sais, on vit des moments un peu inoubliaux. Au pluriel. Et j'en oublie de dire bonne nuit. Oh, c'est loin hein, Saint-Denis. On peut peut-être se mettre un point quand même. Je refuse depuis, depuis longtemps pour le côté RP. Mais je vais devoir céder quand même, putain. On va passer par là, petit raccourci. Non. Voilà. En fait, faut que je descende. Là, je remontais, là. Ou alors on va à Rhodes. De toute façon, c'est après Saint-Denis, Rhodes. Rhodes. Ou avant. Sur le chemin, quoi. C'est un passé dans ta tête. Oh, c'est... Non. Oui. Non, mais c'est surtout qu'en fait... Surtout qu'à force de voir les gens, bah voilà, je... Il y a une certaine télékinésie qui s'installe, mais que de mon côté. Mais c'est toujours bon signe, hein, quand je dis bonjour, au revoir aux gens dans ma tête, ça veut dire... Que je les vois souvent, que c'est devenu voilà, des personnes de mon entourage, et que du coup, par conséquent, il en découle que donc... je reparle dans ma tête. Le mauvais chemin. On va suivre cette route. Oh, c'est tellement loin. J'entends siffler. Attendez, y a un copain qui... Qui est kinésie, oui. Ça fait... Kinésie, télékinésie. Bonsoir, monsieur. Ah, je croyais trop que c'était un joueur qui avait sifflé partout. Il m'a vu au loin, il a dit « Ah, je vais arrêter mes conneries. » Mais en fait, pas du tout. C'est même pas un joueur, je suis dégoûté. Putain... Attends, si je vais par là, je vais à route. Puis on va à route. Ouais, on va faire ça. On va suivre la route, on va à la route. Je veux dire, une déshydratation ferme.
C'est un mauvais coton, mon gars. Je regardais avant de traverser Bio. Mais je parle en harpe, mon cheval. Sauf encéphalogramme, voilà. Il passe plein de choses dans la tête de tout le monde. Merci. Take me home. Don't you home. In the pain. Take me home. Avec la voix de Denis, ça donnerait ça. Take me home. And be home. To the place. En vrai, c'est RP de chanter quand on fait du cheval. Je veux dire, on n'avait pas d'autoradio à l'époque, fallait quoi. Bonsoir, jeune Denis. Denise. Oh, mais oui, Saint-Denis, c'est trop ma city. Je viens de le voir parce que j'ai vu écrit. On a tous en testé de la cheval, je crois. Effectivement. Après, on me l'a soufflé, là. Qu'est-ce qui pourrait bien aller avec mon personnage ? J'aime trop. Non, ça va pas trop. Je me suis pas, il y a un petit côté pas tout à fait RP. Je vais pas dire pourquoi. Ah, des panneaux. Black Neck Station. Hermal Ranch, Valentine. Ok. Voilà, plein de cuches alors. Courir en fait, hein. Qu'est-ce que je me fais chier là? Oh, mon ventre gronde! Bah zut! Bah zut! Mon ventre gronde, bijou! Je vais prendre un poulet rôti. Voilà! Du poulet rôti. Avoir soif aussi. Moi j'ai ma gourde. Mais attendez, pourquoi elle a pas les mêmes taches? Parce qu'elle est sale. Ouais, faut que j'achète une brosse moi. Coma hydraulique. Ah, je vais les garder, elles sont individuelles. Bon. Oh, je vais peut-être croiser une petite truc à flotte. Donc on va juste prendre ça et puis voilà. Mais j'ai ma gourde, hein. J'ai mis la machine à laver en route sur le mauvais programme. Et au bout de 2 heures, je m'en suis aperçu. Donc c'est éteint et remis sur le programme normal. Donc, je vais de ce pas découvrir le résultat. Tiens, non, encore. Tu racontes bien. Night of the Ranger. Oh, mais c'est un animal qui fait ce bruit-là. Bah, dis-donc, on dirait vraiment un humain qui siffle. Vous voyez, plus pareil. Route. Oh, bah cool, on est sur la bonne route. Et bio. Bonsoir. C'est un joueur ça? Je crois qu'il m'a dit. Je crois que c'était un joueur. Mais je crois que je lui ai coupé la parole. Hey! Hey! La route c'est là-bas? Mais oui, voilà, je fais n'importe quoi. Dans toi, bijou.
Phoenix de Texas Rangers. Ah d'accord. Mais je me rappelle pas moi. Tu joues Sims au boulot. Tu joues Sims? Oh mais c'est risqué ça. Oh, super risqué s'il y a le train. On go hein. Y'a le train, on go. Je vais prendre la route en bas. Quand je pourrais, genre maintenant. Oula, 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 je suis pas sûr de pouvoir. Bon bah non, pas maintenant. Là. Pourquoi je pouvais ramasser un truc? Je me rappelle de quelque chose aussi ici. Oh. Les figues. Une tranche bizarre ces figues. Vous avez vu, on dirait des doigts potelés de... Oula, Denis, c'est un cactus. On dirait des didis potelés, les petites fleurs des cactus. Je pourrais peut-être manger des figues. Direct. Vous savez comment on fait les figues? Ça vient du fait que la fleur emprisonne un insecte. Du coup, pratiquement, quand on mange une figue, on mange un insecte mort. Et vous avez arrivé à vivre avec ça. La mort d'une guêpe. Je sais pas si c'est forcément que les guêpes, mais oui, voilà. T'arrives à vivre avec ça? La petite dernière. J'arrive. Voilà. Je sais pas si je pourrais les manger. En fait, je vais essayer. Hein? Au pire. Est-ce que je peux manger mes flics? Direct. On est là? Ah non, c'est pas le même pain. Ça m'a... J'ai utilisé une flic, ça m'a donné de la nourriture, j'ai pas vu. Oui, il est fatigué mon cheval. Faut que je lui donne à manger, je pense. J'irai acheter s'il faut. Quand on sera à Rhodes. J'aimerais bien lui acheter aussi de quoi se laver l'arrière-train. Le linge est propre à la bonne taille. Dans vos airs. Faisons. Il fuyait peut-être des malandrins, des malotrus, des gredins, des gueudins. On dirait un boubou. En fait, j'avais bien vu que j'aime pas les figues. Les fruits en tout genre, ni les légumes. Je m'en avais juste pas plus tôt. Moi, j'aime bien les prunes. Les mirabelles, qui sont des prunes. Et les bananes. C'est le meilleur fruit au monde. Voilà. Banane, c'est un des fruits où j'ai pas l'impression de manger un fruit. Et moi aussi le jus de banane. Un jus de fruits où t'as pas l'impression de manger des fruits. Enfin t'as l'impression un petit peu quand même. Les bananes qui ne sont pas des prunes. Mirabelle c'est pas un personnage dans Encanto. C'est le dessin animé ça. Enfin le dessin animé, le film d'animation Disney Pixar je crois. J'ai pas vu. La Mirabelle c'est, c'est des petites prunes jaunes. J'ai pas vu. Non mais j'arrête. Non je panique un peu avec ta route. Oulala. Oh. Oh la cigale a été vénère.
ça fait bravo, félicitations. Mais bravo à vous. Ouais. On s'applaudit tous parce qu'on est trop des fous. Vu, moi je suis tellement une folle, je marche sur les rails. Si maman, c'est grâce à elle, effectivement. La mirabelle qui ne t'a pas défendu avec la mirabelle. Et pas non plus une prune. Mais bien une même si c'est une prune. La mira moche, un jugement. Mais 3h du matin, le chat, on est d'accord que c'est parti, hein. Et... Il fait fort chaud, dis donc. D'essayer de faire le bruit des cigales, aucun des sons que j'ai fait n'y ressemblait, même de très loin. Ça marche pas. Moi j'ai voulu faire ça n'a pas marché. Attends, essaye. Non mais non, mais attendez. Un petit peu. Ouais. Bon, je fais aussi bien les cigales que je fais du beatbox, quoi. Bouddhiscasse. Ça donne faim, ces histoires de prunes. Mais toi, tout te donne faim. Faut un moment. Même les poissons rouges dans le jeu I'm a Fish, ça te donnait faim. C'était des petits poissons rouges. Là, je suis à Rhodes, là. J'ai un petit indice. Rhodes. Je suis à Rhodes. Rhodes. Ah, Rhodes. Tout le monde m'a fumé. Oh, je bois un coup. C'est aussi bijou bois. Non, mais non, j'y arrive pas. Hein. En tout, je les ai pas beaucoup écoutés dans ma vie. J'ai toujours vécu dans le Nord. Fait le bruit de ce fameux insecte qui n'a pas cigale. Monde de gredin. Arrosoir automatique. T'as soif, mon petit bijou. Allez, relève ta dignité. Il est coincé, bijou. Je voulais reboire. Bon bah je vais pas reboire. Ah c'est bon. Alors on va voir un petit peu ici. Je vais avoir une carotte, mais moi que dalle. Oui, bah. Tu vois, je bijoue depuis un moment. Oh, j'entendais un cheval. Je vais arrêter de chercher absolument les interactions, on trouvera bien des gens. Ah, mais c'est peut-être ça que j'entends. Bonjour, bonjour. Bordel, il n'y a pas un putain de chat. Tiens. On t'entend gueuler ? C'est en anglais, hein, donc bon, c'est du PNJ. Très bien. Je m'en vais ailleurs. Hôtel. Y a pas grand chose ici. Gunsmith General Store. On va voir à combien sont les appâts, tiens. Denise, célibataire et normande, cherche désespérément des gens. Ça
S'il te plaît, sors de l'ombre, même si je regarde depuis un moment. J'ai regardé la rediff d'hier. Ah, c'est mignon. Oui, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Ah, très cool. J'espère... Non, c'est mon cheval. J'espère m'améliorer. Et du coup, bah là, maintenant, j'ai enfin un cheval. Donc je vois un petit peu... On peut acheter de la vraie glisse. C'est le monde de mon champ. Je vais voir un petit peu... les villes... Les villes. Compliqué un peu les débuts. Mais j'avais pas les sous. Trop sympa le mec. Mais oui, t'es extraordinaire ce monsieur. Il m'a envoyé un télégramme, donc j'ai renvoyé un télégramme aussi, mais là il est parti se coucher. Il est passé sur le live. Oh, quelqu'un ? Hello ? Bonjour. Bon bah non, c'était pas quelqu'un. Non, c'était quelqu'un qui n'en est pas un, quoi. Bon, General Store, c'était pas fou. Est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a une écurie? Bonsoir. Hello. Hello. Bonsoir. Non. Quelqu'un qui n'en est pas un, tout à fait. Un humanoïde qui n'est pas un humain, si tu préfères. Mais qui ressemble beaucoup. Bah, désolé, bisous. Je vois de l'eau. La malbute est trop nulle. Et après, c'est la dépression. De quoi ? Le regard déçu de mon père et ma mère, le chien se demandant ce que. Non, mais qu'est-ce qu'il se raconte ? C'est fou. Autodidacte. À chaque fois, Lix, il sort des trucs, des histoires. Fantastique. Oh ! Je crois que je pouvais ramasser un petit peu. Bon, ça va pas être plus loin, hein, ça va. Hein. Parce que je sais, jamais se mettre derrière un cheval. Hello. Hello. C'est dur de faire comme si. Comme si tu le connais pas, je trouve. Hier, quand t'as rencontré Guy. Bah, yeah. Non, non, c'était pas dur, c'était rigolo. Moi, je sais pas, après. Après, c'est aussi parce que je croise plusieurs personnes dont j'ai déjà entendu les voix et tout. Mais oui, après, c'est un petit jeu de rôle, quoi. Bah, je sais que je vais avoir une connaissance qui va venir aussi sur le serveur au milieu du mois. D'ici une dizaine de jours. Et pareil, bah, on sera peut-être amené à se croiser, vu qu'on joue aux mêmes horaires. Donc ce sera pareil. Ça, Morgane de la chaîne Les Guetteuses. Je suis désolée, t'es tout sale. Je peux peut-être le laver en allant dans l'eau avec, hein. Bon bah Rhodes, voilà, c'était sympa. On va essayer d'aller à la Kansas River. On va suivre le chemin. C'est cool, ouais. Bonsoir. C'est elle m'a pas mal aidée pour faire on va dire la démarche, dans le sens où voilà, je savais pas trop ce qui était attendu pour ma demande de whitelist. Au niveau du background et tout ça, bon j'ai fait un background immense, j'aurais pas du tout dû, mais bon voilà, au moins j'étais sûre. Et c'est elle qui m'a expliqué un petit peu parce qu'elle avait, elle connaissait déjà quelqu'un sur le serveur qui lui avait un petit peu, qui lui avait dit en gros ce qui était attendu quoi. J'ai trouvé mon nouveau stream de fond de mes nuits. Ah, quand je bosse pas, quand je bosserai, je pourrais pas. Hein. Mais c'est vrai que le... je vais devoir... Oula, oh merde, j'appuie plein de fois sur... Voilà.
J'appuie plein de fois sur le gâchette, j'ai ce truc là, sur le truc. Mais j'avais plus avant. Je l'avais enlevé ça. J'arrive pas, attendez. Non, parce que j'ai un pop-up là sur mon écran, voilà. Je l'avais viré. Ah, mais non, puis j'ai mon nouveau PC, non. Une touche rémanente. Je vais voir si en mettant mon cheval dans l'eau, ça me nettoie un peu. Mais j'en doute un peu. Faut faire gaffe, après, y'a pas des cocos dans cette eau. Oh, aventure dans quoi en plus il fait nuit, non. C'est le traquenard, ça. Dorine est un poisson chirurgien. Tout à fait. Vous savez qu'il y a plein de sortes de poissons chirurgiens et qu'ils sont pas du tout tous bleus. Oh, je le sens trop mal. Je vais... Non, non, mais non. Non, non c'est mort. Non, c'est mort. On va rester sale, hein, bijou. Oh, non, mais vous avez vu le truc là? Ça bouge dans l'eau et tout, dans n'importe quoi. Ouais, faut que je suive la route qui est juste là et puis hop, on arrive à Saint-Denis. Ouais, du poisson chirurgien et poisson licorne. Ça existe le poisson licorne, ça s'appelle un nazon. Oh. Bonsoir. Faites gaffe, hein. Mais il connaît un poisson, la mort aussi me connaît. On est croisé tout un tas, et pas qu'avec des nageoires. -19 degrés en pleine nuit. Ah oui, il fait chaud ici. Je vais avoir chaud avec mes manches longues, moi. Oula. Ah non, je crois que c'était quelqu'un à pied. La bonne route? Oui, hein. Trop pas. Je me rallonge de fou. Pas grave. On visite. Bon, faudra quand même que je fasse gaffe à aller me nourrir une fois à Saint-Denis. Ouais, ouais, mais j'irai me changer à Saint-Denis. Et le truc, c'est que j'ai pas beaucoup de sous, quoi. Mais c'est compliqué. Ouais, là, ça va. C'est 20 degrés, mais c'est quand il fera 20 000, là. Quelqu'un qui veut un kawa? Hein, je préfère un petit coke. C'est gentil de proposer. Bah, c'est coca. Quand on n'a pas le temps de dire coca, on dit un petit coke. Comme ça qu'on parle, nous, les jeunes. Les jeunes millennials. De 30 balais. Chacun, c'est pas un rhum. Oui. La bouteille est stylée. Et bon, comme tous les rhums à consonance un peu pirate, les bouteilles sont toujours uber classe. Ok, faudra que je tourne à droite tantôt. Bonsoir. Rhum coco, ouais. Je connais bien le rhum coco, moi. Lui aussi, il me connaît bien. Voilà, je vais pas me mettre trop près des PNJ, sinon ils veulent me taper. Moi, j'aime pas ça quand on veut me taper. Disons que... En général, je préfère qu'on m'aime bien. Forme de communiste. C'est tard. Hein. Rhum cubain. Bon, ça y est, j'y suis. Bon, là, on est plutôt dans le côté quartier populaire
et industriel apparemment. Je me rappelle de Saint-Denis, mais pas du tout. Industrie Cornwall. Oh là là, c'est tout stylé de revenir ici. Passer par là et on arrivera vers la rue centrale plus facilement. Quoique non, ça va même être. Génération du père. Allez là où il y a de la lumière. Peut-être aller un peu plus vite parce que ça c'est très lent. Le petit pas. Ça se bruit, je kiffe. Mais en vrai, ça doit être super désagréable pour les chevaux. Oh, j'adore entendre aussi le raisonnement des autres pas des chevaux qui arrivent. Ah, le sound design du jeu est quand même toujours très agréable, même en RP. Oh, un théâtre. Non, on va aller voir Visuel Théâtre. Il faut que je me nourrisse, moi. Où ça va, en fait? Vaudeville. Où je connais ça? Vaudeville. C'est comme de par chez moi. Bonsoir, messieurs. Sympa Saint-Denis la nuit. Et Saint-Denis, c'est un gros avantage du serveur, je trouve. Bah c'est con, mais sur alors à moins que ça ait changé, mais sur Felidès, normalement il y a toujours pas. Hein. On va juste faire un petit tour et puis on verra. On verra si on peut poser quelque part, manger un morceau. O-I-I-F. Qu'est-ce que ça veut dire? P-R-I-M-E. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? On saura jamais. C'est un fier gaillard, mon cheval. Entends du bruit. Je cherche des gens désespérément. Maintenant que j'ai mon cheval, je vais aller à la rencontre d'autrui. J'aurais dû peut-être retourner à... Et où à Hansburg? Hansburg. Hansburg. Oh! Il y a Dragon Restaurant. Trop cool. Voir si je peux peut-être y manger. Où est-ce que je peux te poser mon petit bijou? Au pain d'air peut-être. Ça m'énerve, j'ai nulle part où mettre bijou. Dit non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Enfin, si c'était la ref au jeu. Ah, au film. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ah, mais on s'est déjà croisés, tiens. Ouais, je vous connais. C'est Duke. Bien, ouais. Denise Duval. Vous faites dans le coin, Denise? Eh bien, je visite un petit peu cette ville qui porte presque mon nom. Il fallait que... Ah oui. Pardon. Et j'ai cherché un peu, oui. Vous visitez comme ça au hasard? Bah dis donc, vu que je la connais pas, je me suis dit que j'allais un petit peu y passer parce que j'ai pu enfin acquérir une fière monture
J'en profite un petit peu pour visiter le coin, parce que bon, j'en ai entendu parler de cette ville. Il paraît même qu'il y a un marché assez fameux. Bon, ah bah, pas à ce temps-là. Je parlais avec une personne qui y allait là. Si, si. Oh, très bien, et vous connaissez bien les environs ? Bah, je connais d'autant plus les environs que j'ai travaillé juste ici, là, au cabinet qui est ici. Oh ! Qu'est-ce donc comme cabinet ? Un cabinet de voyance. Oh ! Ah, mais ça veut dire que vous connaissez la fameuse voyante dont on m'a parlé, là ? Eh ben ouais. Parce que j'étais son garde du camp. Oh ! Ah oui ! Oh, bah la demoiselle doit avoir drôlement de la visite pour avoir besoin d'un garde du corps. Ah bah elle avait surtout des gens qui l'en voulaient. Ouais. Oui, c'est un métier compliqué, hein, bon. J'en ai connu quelques-uns qui ont tenté, bon bah ils ont dû fuir la plupart du temps, quoi. Des fois les gens n'aiment pas trop ce que les astres leur disent. C'est ça. Et puis bon, bah, on va dire que de ce que j'ai cru comprendre, ils ont pas forcément toujours raison, quoi. Franchement, en général, c'est assez surprenant d'exactitude. Même moi qui ne crois pas spécialement de base. Oui, j'ai un petit peu du mal avec tout ça, j'avoue que pour moi, je tenterai pas, quoi. Vous m'avez dit ce que vous faisiez dans la vie ou pas, je me rappelle pas. Simplement que je venais un petit peu visiter maintenant que je peux dégourdir les petites pattes de ma monture. Ouais. Et puis, bah voilà, j'en ai entendu parler, alors je voulais voir de mes yeux, quoi. Comment il s'appelle Alors j'ai appelé Minotte, mais en fait, Bijou. Je la surnomme Bijou, même si finalement, c'est pas comme ça qu'elle se prénomme. Ça lui va bien. D'accord. C'est une dame, comme moi-même. D'accord. Et vous, le vôtre ? J'ai remarqué pour les deux, hein, je vous rassure. Là, vous avez le cabinet de médecin, voilà, si vous voulez savoir un peu où voit un peu tout le monde à Saint-Denis. Sur ma gauche, là, le cabinet de médecin. D'accord. Effectivement, ça pourrait être fort intéressant. Oh, si vous avez des problèmes dans le coin, vous serez amené à vous y rendre. J'imagine. Après, la ville est tellement grande, j'ai peur de me perdre, moi. Oh, une fois qu'on connaît un petit peu, ça va. Là, on se dirige vers le vieux Saint-Denis, qui est un peu plus rustique. Je suis presque obligé de trotter pour être à votre hauteur, dis donc. C'est là-bas. Ouais, mais j'ai un grand cheval, mais parce que je suis un peu ridicule sur le plus petit. Effectivement, vous semblez bien grand. Bon, je vous ai eu cache-cheval quasiment, mais vous semblez bien grand. En fait, je pense que vous faites la taille de ma monture. Oh, peut-être même un peu plus grand, je pense. Ouais. Pour le coup, le marché, là, il va être sur la gauche. On peut y rentrer de deux manières. Vous voyez où il y a le cheval, là-bas ? Oui, tout à fait. Ah, c'est le marché. Ouais, je m'intéresse un petit peu parce que bon, si je me mets à vendre mon poisson, ce sera peut-être au marché, on verra bien. Ouais, alors vous pouvez prendre un étal au marché, mais vous pouvez aussi revendre. Il y a la famille Pratchett qui achète le poisson en général. Ah, c'est intéressant. C'est ce qui vous rapporterait le plus, je pense. Ah oui ? Ouais, et puis surtout, vous auriez pas à attendre, on vous paierait directement. C'est pas faux ça. Marché de Saint-Denis. Il y a des étals un peu partout. Voilà. Ah, des petites lumières en plus. Voilà, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il y a dans chaque étal en vous mettant. Alors. Il y en a des endroits un peu. Ils ont oh, bah tiens, vendeur de poissons. Oh. Ah bah voilà. 25 cents. Le cent est gris. Ok. Ça me permet aussi de comprendre un petit peu les prix qui sont en vogue dans le coin. Parce qu'après, par exemple, vendre le poisson directement aux étals de poisson, enfin là où on pêche, en général, je pense que ça vaut pas trop le coup. Oui, tout à fait, c'était bon. Voilà, ils sont bien gentils ces vendeurs, mais ils arnaquent un petit peu, quoi. Puis leurs appâts sont fort chers. Oui, vaut mieux les acheter au General Store, en général. Vous avez. Voilà, il y en a un peu partout, il y a des endroits... Ah oui, tout ici, non. Il y a du café, du thé, Oh là là. Il va pas être content. Oui, ça. Effectivement, ça donne envie de faire des étirements, ces étals. Je suis un petit peu pareil. Là,
Là, on... Alors. C'est quoi, on peut vendre du foin, de la viande crue. Ah, ils achètent aussi alors. Ouais, il y a des étals qui achètent, ça dépend un peu de. De qui a fait quoi. On va encore du poisson, Lyon. On dirait que je tombe que là-dessus. Le poisson, vous êtes attiré par le poisson. Ah, disons que la Maurice, elle me connaît, j'en ai fréquenté quelques-unes. J'avais préparé celle-là. Et vous venez d'où du coup? Ah, je. Oui, je. Bon, d'origine, je viens de Rouen, mais quand je suis arrivé. De Rouen. Quand je suis arrivé. De Rouen, oui. Le ah oui. Vous ne connaissez pas, c'est pourtant fameux. J'avoue que je connais pas la France. Ça vient du nord, je viens du nord de la France. En Normandie, vous avez peut-être entendu parler. Oh si, bien sûr. Évidemment. J'ai déjà vu des bateaux qui s'appelaient comme ça. Mais... Ah oui, oui. Oh, bah dis donc. Voilà. Oh bah vous m'impressionniez déjà, mais c'est pas besoin d'aller aussi loin, vous savez. Mm-hmm. Ah, parce que moi je regarde jamais les étals. Et vous venez d'où? Enfin j'imagine que... Bah moi de l'Ohio. Ohio. Je vous avoue. Cincinnati. Ah oui. Ah vous voyez, ah. On a vite fait de faire ça. Hein. Hey, j'ai gardé un petit peu mes réflexes, hein. Vous avez vu? Ouais. Hop, tranquille. On est pas terminé, hein. Ah, par contre les genoux ils amortissent pas pareil. Ça va. Bonjour monsieur. Voilà, señorita. T'as trouvé ce que tu cherchais? Ah si, il n'y a pas de graisse de porc. Ah non, il n'y a pas vu. De côte de bœuf ou des trucs comme ça. C'est pas grave. Allez, oui. Tranquille. Je sais pas si, si la viande est revenue un petit peu ou pas. On dirait pas. Hein. La viande, si un petit peu, ça dépend quelle viande. Ouais. Vous voulez quoi, pas, apparemment les chasseurs ils ont du mal avec les animaux. Ah non, c'est pas pour moi. Moi si, c'est vrai qu'il y a un peu de mal là. Ouais. Si, ah, si. Vous avez du poisson en tout cas. Oh là là. Ouais, les poissons, tu sais, nous, dans ce qu'on serve avec le soleil là-bas. Ah oui, j'imagine, oui. Oui, puis ça doit sentir un petit peu, quoi. Si, déjà qu'on sent nous, mais en Mexique, toi, ça la transpiration, si elle ajoute le poisson, ça sent plus. Ah, ça peut faire fuir certains prédateurs. Prédateurs, si, si, allez. Je sais pas ce que c'est, mais. Ah, c'est. Ah, genre c'est certains animaux, certains hommes aussi. Ah, si. Tu sais, moi, au Mexique, on connaît pas tous les mots des gringos comme chez vous. Ah oui. Predator, c'est quoi? C'est les cougars, les grizzlies, trucs comme ça qui attaquent. Les mecs qui ont des grandes dents. C'est les chats, tout ça, là. Ouais. C'est les gâteaux ici, et bon, y'a pas. Tout à fait. Les seigneurs, señorita, je vous laisse. Ah ouais. Parce et votre bonne soirée. Ils ont vraiment faim, ils vont me casser la cantine ouais, si je n'en viens pas. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Un cuistot? Non, non, c'est un membre des Gorditos, c'est une famille mexicaine qui habite plutôt à l'ouest. Mais là, ils venaient chercher un peu des... Ils ont des funérailles, là. Donc ils... Oh, funérailles. Un grand repas. Moi, ils ont un frère qui est mort. Ils sont vraiment petites face à vous, monsieur Duke. Ah. Oh, il n'y a plus... Ouais, pas encore. Ah, disons que j'ai dû me tasser, quoi. Si ça vous dérange pas, je vais passer juste par le port, là. Je crie de soif. Ah, bien sûr, bien sûr. Ah oui, Lyon. C'est vrai qu'il fait soif. Il fait très chaud, hein. Bon, il fait pas très très chaud, mais... La journée, il a fait très chaud. Ouais. Salut, Papy Doc. Je me suis dit bonjour. Je l'ai dit dans ma tête, probablement. En fait, bon, l'eau du port, elle est pas exceptionnelle, mais... Ah oui. Vous êtes sûr qu'elle est... Elle est buvable? Écoutez, je suis pas mort pour l'instant. Bon, j'en aurais sûrement connu des pires. Ah, en plus là, oui, je connais ce coin. C'est un joli coin, vous allez voir. L'eau donne envie. Ah oui, dis donc, elle est limpide. Vous visez entre deux poissons morts? Oui, c'est le mauvais signe en général. Là, c'est un peu. C'est assez... Oui, C'est pas assez profond, mais ici, ça. Là. Oui, dis donc. Ah, et vous. Je peux voir là, du coup. Baissez-vous. Voilà.
D'accord, d'accord. Ah, j'ai... Ouais, bon, je m'attendais à une voix un petit peu comme ça, je dois avouer. Oh putain, la tronche. Et vous pouvez vous laver le visage, c'est bien, ça vaut un bain. Hein. Ah oui, bah, j'imagine, avec une eau comme ça, là, ça, ça tue tout, ah bah, ça. Surtout avec les hydrocarbures qui lâchent dans l'eau. Ça décrase bien. Vous voyez devant nous, là, les petites... quand il y a des arcs-en-ciel comme ça, c'est-à-dire que ça décrase bien, après. Eh oui, c'est... Oh, c'est pas les algues, ça, hein. Ah. Vous avez une gourde ou pas? Oui, oui. Elle est pleine. D'accord. Mais bon. Je remplis la mienne. Ouais, je vais sortir un petit peu de cette eau. Hein. La bonne eau comme ça, pour en profiter. Ah, on en voit pas partout, c'est sûr. Ah, j'étais dans un petit coin, un petit ruisseau limpide tout à l'heure. C'est sûr que, bon, ouais. On n'avait pas autant de garniture dans l'eau, j'ai envie de dire. Ah, mais ça, c'est l'avantage de la ville. Ça épice un petit peu le goût, quoi. Non, puis ce coin-là, bah là, il y a un General Store en face. Ah. On peut acheter diverses choses. J'ai vu que votre cheval était un peu sale. Oui, oui, j'ai pas encore de brosse. Ouais, il faut acheter une brosse. Si vous avez besoin. Je suis sûr qu'il en vend là-dedans. Je sais pas si vous avez les moyens. Ah, c'est... Je fais un peu compliqué, mais je vais reprendre du poil de la bête maintenant. Maintenant que je peux me déplacer, ça va être un peu plus simple quand même. Bonjour. Bonjour. Un peu les deux. Brosse pour cheval, 1,2$. Ouais, c'est un peu cher, j'avoue que... Mmh. Oh, il sera sale une petite journée, c'est pas bien grave. Je fais pas la fine bouche, moi, déjà. Oh là là. Attends, il y a quoi d'autre? Les appâts, ils sont trop de là aussi. Très bien. Allez, tenez, vous pourrez brosser votre cheval. Oui, on les a laissés loin, nos chevaux. Oh, c'est pas grave. Ils font des petits tours, on les appelle, ils arrivent. Et le train passe ici, du coup. Le train passe ici, ouais. Mmh. Y a pas mal. Je l'ai pas encore croisé. Après, ils partent beaucoup au nord, là, à Nesbourg, parce qu'il y a pas mal de mineurs qui vont là-bas. D'accord. Clairement, c'est pas la même ambiance que... Vous voulez voir un peu le vieux Saint-Denis là-bas? Bah disons, maintenant qu'on est là, autant profiter. Et oui, hop, voilà. Vous avez une brosse dans votre poche, vous avez vu? Ah non, j'ai même pas vu. Oh bah merci beaucoup. Oh bah merci, bon je vais faire ça quand on sera arrêté. Merci vous beaucoup. Pouvez l'utiliser quand vous êtes à cheval aussi, ah oui pour la brosser sur le côté. Ouais. Vous pouvez faire les deux. Oh. Ah oui, effectivement. On retrouve sa couleur blanche. Ah, c'est que je me disais tout à l'heure, c'est bizarre, il était pas aussi sombre quand je l'ai acheté. Ouais. Ah oui, c'est... un peu plus boueux, quoi, ici. Un peu plus quoi? Un petit peu plus boueux dans... Ouais, bah... Dans la région. Là où il y a les pavés, ça va, mais dès qu'on commence à aller vers la... Vers la vieille ville, là, c'est un peu plus dégueulasse. Et du coup, vous comptez faire quoi dans la région? Vous avez un peu des envies? Bah pour le moment j'essaie un petit peu de visiter, de voir là ce que la région a à offrir et puis on va voir si j'arrive à m'établir en tant que pêcheuse, mais bon, c'est surtout pêcheuse, un projet à court terme. C'est dur. Ouais. On va dire que vu que je sais faire ça, j'en profite pour mettre à contribution mes talents, mais si je croise d'autres opportunités, j'hésiterai pas à les saisir. Et puis bon, bah voilà, faire des rencontres charmantes. J'ai rarement été aussi bien accompagné. Ah bah c'est gentil. Vous y avez gagné une brosse. Mais oui, en plus. Je vous paierai un verre de pastaga.
Vous connaissez Pastaga. Ouais, si j'entends monsieur Dubois qui m'en parle souvent. Ah oui, un monsieur m'en a fait une... On a fait une publicité fort, fort convaincante. Ah bon? Ah oui, à la chanson et tout ça. Hein. On avait une petite démonstration, un monsieur tout habillé de jaune. Ah, il savait le vendre son Pastaga. Du coup, ça m'a donné envie de goûter. Bonsoir. Hey. Bonjour Bébito. Oui, j'ai croisé avec son magnifique cheval. Oula, bijou, calme-toi. Un magnifique cheval, toi, je pense. Signor Duke. Oui. Tu as manqué beaucoup à Daphne. Ah bon? Si, elle était toute seule ce soir. Elle était triste. Oui, bah c'est pas grave. Elle arrive à vivre sans moi quand même. Si, si, heureusement. Oh. Attention à la charrette. Si, attention, on s'écarte un peu, la charrette, sinon c'est pas facile. Tu peux passer, c'est Doudou là, on peut passer par le mes couloir. Excuses. Oui. Hein bah, du coup tu l'as vu, moi j'ai pas vu de la journée. Si moi je l'ai vu. Oh là, c'est la vie. Si elle fait le travail à la ferme, elle m'a dit. Ah, chez les Parker là. Si elle travaille à la ferme des Parker, et elle a été pêchée aussi. Bah, c'est rire avec sa voix. Si comme ça elle rencontre des gens, c'est bien, je lui dis. Hein. Ah j'ai faim. Oh, ouais, je bah lui oui, dis. C'est bien d'avoir un petit travail comme ça pour connaître les gens. Ah, tout à fait. Ouais bah madame Duval. Si un peu pareil, elle essaie de connaître un peu les gens. Exactement. Voir ce qui se propose. Ah, si vous voulez, je peux vous présenter des gens. Ah vous connaissez des gens? Avec plaisir. Si, tout le monde connaît, connaît des gens. Ouais. Ah bah je me dis qu'on ne doit pas vous oublier, monsieur. Surtout quand je vous ai vu la première fois dans la tempête avec votre cheval. C'était fort impressionnant. Comment ça ou... Mais si, la première fois hier. Je vous ai croisé, vous aviez un cheval... un cheval avec des couleurs pas communes, avec un petit casque. Ah, un petit casque avec des dents d'ailleurs. C'est Gambas si. Gambas. Gambas. Il s'appelle Gambas. Gambas. Il est marrant. Ah, il est très chouette. Si. Ah, tu discutais avec les Sheldon? Pas du tout! Ah bon? Non, non, non! Ah, c'était pas un Gorditos que t'as dit? Si, c'était un Gorditos! Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure. Si, il est gentil! Qu'est-ce que tu fais, Solsi? Ici, moi, je me balade. Si, Rita Duval! Je pensais peut-être aller à Guarma. Tout à fait! Bah, je visitais un petit peu la région parce que moi je viens d'arriver, alors une ville comme ça, ça donne envie de la visiter. Signor Duke! Oui, je sais. Qu'est-ce que je t'ai dit ou pas? Qu'est-ce que tu m'as dit? Et qui voir les entreprises? Moi je parle de toi pour les entreprises maintenant hein. Bah non, parce qu'en fait, je suis un humain, je dors. Entre hier soir et celle là, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ouh, d'accord. Non, non, coup, mais... voilà. Oui, d'accord. Bah y a quelqu'un qui m'a écrit, mais je crois que je devais déjà le voir avant. Ah, d'accord, c'est cool. Et sinon, au moins, faut que j'attende de le vendre avant de pouvoir te payer. Oui, non, mais là... Parce que là, si je vais faire du soufre, je le garde. J'ai 1500 soufre avant nous. Ouais, voilà. J'ai beaucoup quand même. Et ça se vend à qui, ça, le soufre? Aux armuriers. Ah, évidemment. Mais là, actuellement, on est en train de faire le... Comment il a pris sa vision? On est en train... Oui, on est là où? On est en train de faire une pénurie. Ouais, ouais. Ah, c'est malin, ça. Il y avait aller au cigale, là, voir Mike. Comment ça, il y a Mike? C'est Mike le cigale, il est vu tout à l'heure. Et puis pour ceux qui font dodo, désolé. Tu es venu le voir, je te dis à tout à l'heure. C'est où les cigales? C'est cigale. Oui, oui, c'est loin, d'accord. Centre Road et Saint-Denis, vers le bayou là-bas. D'accord, à tout à l'heure. Allez, buenas. Au revoir. Est-ce que vous voulez venir avec nous au marché? Je voulais voir s'il y avait des états de libre. On en revenait juste, mais... Pourquoi pas? Je vais pas vous obliger à y retourner, alors. Ah, mes excuses. Oh. C'est pas bien. Ouais, ça dépend, ça va. Venez, venez, c'est par là-bas où. Il faut aller vers Almadillo, c'est mieux. Ah oui, moi je connais pas du tout. Et vous connaissez quoi où? Je connais Blackwater. Et c'est bien. Je suis passé rapidement à Valentine. C'est beau là-bas, faut pas y aller avec votre lampe. Ah oui, ça j'ai vu ça, disons. Mais bon, faut découvrir la région. Si, si. D'ailleurs, le signor Duke. Faut faire attention à Guarma en ce moment. Ah ouais.
Alors c'est pas pour vous qu'on fait attention, mais c'est parce que les groupes ils se combattent actuellement en ce moment. Ouais. Oh. On va dire qu'il y a quelques rumeurs qui sont bien passées. Moi ça va faire du travail. Quel groupe? Oui, je peux pas te le dire, hein, c'est un bon don, hein. Bah, y'a des groupes à cascade. On va dire qu'il y a des groupes de cons qui se battent là-bas. Guarma, c'est une île. Avec des Godless ou des Sheldon. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, fais attention. Oui, bah si, je vois sur ma casquette. Et qu'est-ce que c'est ça, Guarma? C'est une île. Vous pouvez aller si vous voulez, hein, c'est bien. Ah oui, oui. Vous auriez pas forcément grand-chose à y faire, mais... Oui, mais là, ils font n'importe quoi. Moi, j'ai besoin d'une étale. J'en ai pas vu de l'île. On m'a dit qu'il y en avait plein, Guarma. Ça me donnait qu'il était... Peau de rate. Peau de rate. Il est pas disponible celui-ci. Ah, ici. J'ai l'impression que c'est libre. On m'entend peut-être pas. J'ai l'impression que celui-là est libre. Ils vont escalader à chaque fois. Carottes. En acheter deux. Ici aussi, Pépito, il y en a un de libre là. On mange voir. Il y en a deux de libre ici, trois même. Oui, où? Ouais, j'en ai vu plusieurs. Oui, où? Ouh, tu es une duke. Il y en a un de libre ici. Hein. J'entends. Je l'entends, mais je vois pas où. Là, là. Ah, si. Celui-là, il est. Ouh, j'aime beaucoup là. Comme ça je peux m'asseoir ici pour faire mon business. Oh, c'est trop bien placé en plus. Oh, regarde, je veux m'asseoir là. Regarde. Signor Duke, bonjour, bienvenue. Tu t'assois super bien. Asseyez-vous. Du coup, je vends du souffle. Attention, hein, c'est pas du souffle de merde ou de pacotille. Hein. C'est du souffle de qualité. Ouais. Directement de loin. Miné par des experts. Miné par les meilleurs du monde. Je les paye bien en plus. Alors si vous payez encore plus cher, je les paye encore plus. L'achète à 25. Non. C'est nul, sinon je voulais les payer à 10 à 15. Essayez de faire une chanson. Ça permet de bien vendre. Monsieur Pastaga, il a compris. Quand tu n'as plus de balle, tiré. En plus, une cite olivoire. T'as besoin de tuer. Oui. Un seul conseil pour ramener. Ramener. Il te suffit de voir l'almurier. L'almurier. Il va acheter plein de sous-souffle. Plein de sous-souffle. Le sous-souffle, c'est pas mal le sous-souffle. J'aime bien moi. Du sous-souffle. Non, moi je pensais à autre chose. J'étais en train de réfléchir justement. Regarde, attends, c'était quoi déjà que je... Si tu souffles du mal, n'hésite pas à venir voir le Pépito. D'accord. C'est doux, d'accord. C'était pas bien. Ah, disons si qu'on... Si tu souffres du mal. Si. On attendait une suite. Non, alors, en fait, je vous vends du fer, du métal et du bois, je voulais faire une phrase, mais qui avait rien à voir avec ce que je vendais. Du genre... Si tu souffles, dans ces cas-là, achète du bois. Non, c'est pas bon. Dans ces cas-là, touche du bois. Et peut-être que le métal tombera. Ou. Oui, quelque chose comme ça. Ou. Oui, il y a l'idée. Je vends tout ça. Ou. Pas mal. Celui-là aussi, il est libre, c'est bon. Ah, vas-y. Si, parce que le gouvernement, il m'embête maintenant. Ils veulent que j'arrête de vendre de la main ou. Aux armuriers que je vends directement en l'étal. Ah.
Du coup, j'ai mis 500 souffles qui attendent pour rien. C'est vrai que ça fait beaucoup. En même temps, y'en a, ils ont des étals, ils vendent rien du tout. Ouais. Faudrait leur le tirer, hein. J'ai vu une étale avec une peau de rate. Qui va acheter une peau de rate andouille. Je savais pas que ça se vendait. C'est des andouilles. Moi, je vais vendre des choses qui n'existent pas ici. Ah. Comme ça, si un amulier veut venir, hop, pépito. J'en ai pas vu hein, du souffle, y'en a nulle part. Là par exemple celui-là, y'a même pas quelque chose, y'a rien. Oui, y'en a, y'a rien du tout, c'est nul. Après je vais faire... Oh j'ai une idée, Signal Duke. Tu veux gagner de l'argent ou pas? Quand j'aurai mon étal, tu trouves des gens qui viennent m'acheter directement à moi ou? Et je te donne un pourcent de ce que je gagne. Et comment ça directement à toi? À l'étal ou à toi? Alors, à l'étal je vais vendre très très cher. Ouais. Comme ça les gens ils auront pas le choix que de venir vers moi pour m'acheter en direct. Et le gouvernement va te faire chier non? Je m'en manque du gouvernement. C'est pas ça. Ils signalent. Ils veulent que je vende à l'étal, d'accord? Ça veut dire que si j'ai une étal, ils peuvent me l'acheter à moi directement. Donc j'ai pas d'étal, c'est là où ça leur va pas en fait. Parce que du coup ils veulent pas d'argent là-dessus. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui mais si à l'étal ils vendent rien et que tu vends tout main à la main, ça va se savoir au bout d'un moment. Mais signalent. Tout ce qu'ils veulent, c'est que j'ai une licence, c'est tout. D'accord. Une étale, elle marche ou pas, ils s'en moquent. C'est juste la licence qu'ils vont me faire le payer. À partir du moment où j'ai la licence, je peux vendre main à la main. C'est-à-dire que les gens, ils travailleront comme toi, tu fais avec d'autres personnes. Et vous êtes obligés de le vendre, de passer par nous, pour le vendre aux armuriers, tu vois. Donc du coup, d'une certaine façon, moi, ça me sécurise. C'est-à-dire que si j'apprends que quelqu'un vend main à la main, je le donne au gouvernement et hop, il y a plus de concurrents. Ah ouais, ouais. Et il y en a en plus. Il y en a qui le font, oui. Ouais. C'est pour ça que je te dis, c'est intéressant. Actuellement, il n'y a que Monsieur Signal d'une barre et moi qui le faisons. Ouais. Comme tous les autres, coucou, au revoir. Ok. Je les mettrai à 50 cents ici, comme ça ils seront obligés de venir me voir. Vas-y, fort malin ça! Moi je leur vendrai au prix que je leur vends d'habitude! Et si ça marche bien, je pourrais vous augmenter! Eh ben on voit, tu sais que la dernière fois tu m'as donné le même prix que les autres, hein? Tu m'avais dit que tu me donnais un peu plus. Si, je sais très bien! Non, je te veux donner un billet en plus à côté, rappelle-toi! Non, 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 pas là, non! J'ai pris dans une ruelle et je t'ai donné! Si, Signor, on est sorti de la banque, rappelle-toi! Dans la ruelle, je t'avais donné un billet! Tu oublies même quand je te donne. J'ai pas... C'est pas l'argent. Mais encore, hein, je t'ai donné alors que... Alors que quoi? Ça charge, mais ça décharge plus. Ah oui, bah ça... Pas ma faute. Si, non, mais je sais bien. Après, encore une fois, sache que le bénéfice, vous l'avez déjà de base hein, quand je vous donne les tickets. Ouais, non, mais c'est bien. Tu sais que les tickets, ça se vend une fortune hein, quand même. Fortune, maintenant? Ignore. Actuellement, j'arrive, ça y est, à aller le vendre à 3 ou 4 dollars, ça dépend à qui. Donc, t'as déjà 3 ou 4 dollars que je t'offre pour aller sur l'île. Je sais, oui, mais. C'est des tickets pour quoi? C'est y aller pour l'argent. C'est y aller pour travailler. C'est des tickets pour aller sur l'île. Tu vas pour travailler, mais tu les achètes à des prix, c'est intéressant. Parce que regarde, admettons le ticket, je te le vendais 2,50 $. Du coup, ça ferait les 15 dollars dont je te parle. Et toi, à chaque fois, je te donne et un ticket et 5 dollars en plus. Donc, en fait, avec toi, je suis pas gagnant du tout. Il est malin, monsieur Duke. C'est pour ça que des fois, je ne peux pas non plus. Parce que je peux pas non plus tout le temps te donner un plus. Tu dis que c'était des bonus, je peux pas te donner des bonus sous le nom. Y'a pas de problème. Mais je sais que vous avez des difficultés. À la peur du son Cattleman, je vais donner un petit billet en plus aussi. Ah ouais, c'est gentil ça. Si, la peur du monde. Si, en plus, c'est ton Cattleman. J'en ai juste lui filer. Mais bon. Voilà, j'essaie de faire le mieux pour tout le monde. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que les gens ils soient heureux et qu'ils aient du travail. Même si moi, je gagne pas grand chose, c'est pas grave. Non, non, mais c'est bien. T'arrives à faire un bon truc. Si. Et à côté de ça, je lance des rumeurs pour qu'il y ait des guerres. Ça, c'est autre chose. Si, mais comme ça, les gens ils utilisent les balles. Si j'utilise les balles, oui, c'est pas bête. Les armes, ils ont besoin de souffle.
S'ils ont moins de souffle, ils ont plus le choix. Bah ouais. Il n'y a plus d'animaux, tu le sais. Alors plus ouais, ils utilisent beaucoup les balles. Il n'y a que les gars qui font les balles. Donc j'ai plus, je sais que les chasseurs, ils ont acheté beaucoup de balles en avance en plus. Si, en plus, c'est des débiles. Ouais. Ouais, il faut que je fasse continuer à visiter à Madame Duhan. Si, attendez, on y va. Je suis pas sûr que ça la passionne, les histoires de business. Oh, j'apprends un petit peu. Si, vous allez voir, non. Les adultes ici, c'est tous des andouilles. Ouais. En fait, ils disent, tiens, il faudrait faire ça à ce moment-là, mais j'ai pas le temps ou j'ai la flemme. Bah, si t'as pas le temps, t'as la flemme, Pépito, il le fait, hein. Vous êtes partout, en fait. Il y a 13 ans qui sont directement gestionnaires de grandes entreprises. Ah oui. Oh, ça, bah comment ça? J'ai pas une grosse entreprise. Ah bah là, ça va pas tarder. Hein. Bon, après, faut avoir l'idée quand même, hein. Moi, c'est incroyable que... À 13 ans, t'as toutes ces idées, tu connais si bien ces systèmes. Vous avez que 13 ans? Mais c'est fou! Si! 13 ans et demi! Quel esprit d'entrepreneuriat pour cet âge! C'est beau! C'est ça. En plus, ça peut arriver, peut-être que tu es un génie, tu sais pas où! Après, c'est pas dur, hein, quand même! Je fais qu'écouter les adultes! Il dit ça, hop, je le garde! Il dit ça, hop, je le garde! Et au moment où j'en ai besoin, hop, je le sors. Voilà. Par exemple, ce soir, j'ai fait beaucoup. Hein. Ce soir, j'ai même pas vendu de souffle. Hein. Attention. J'ai fait 235$. Hein. Eh ben. J'ai même pas vendu de souffle. Bah, qui galère. Bah, dis donc, comment vous avez fait ça? C'est facile. En fait, c'est simple, je t'explique. Écoute beaucoup les gens dans la rue et les gens qui parlent. Ils donnent une énorme mémo d'idées. Mais ils les font pas, ils sont débiles. Après, il y a juste à toi de le faire. Tu prends un petit coup de départ, tu sais, un peu d'argent au départ. Et puis après, ça augmente tout seul. Au bout d'un moment, t'as même pas besoin de rien faire du tout. Mais c'est grâce à quoi que vous avez fait ça? Comment ça? C'est grâce à quoi que vous avez fait tant de sous aujourd'hui? Oui, oui, je peux pas tout dire. On a ces petits secrets, je comprends, je respecte. Signorita, si je te le dis, tu vas le faire et je serai perdant dans l'histoire. Ah, je... Voilà, je vois jusqu'où, contre, si jusqu'où on peut me parler. Je suis Signor Dieu qui va t'aider. D'accord. Ah, disons que je fais... Il y a certaines choses que je fais plus à mon âge, hein. Vous avez quel âge? 56 ans. Ouyouyou! Signor Duke, elle a ton âge! Un an de plus. Ouyouyou! Pardon. Vous êtes sa sœur? Ah non, oui, bah, pas du tout. Enfin. Pour le même âge, sans faire. C'est. Moi aussi! C'est ça le principe de, des humains. Oh, de fait. Joe, il a un frère jumeau, ils ont le même âge! Bah oui, mais là, on n'a pas le même âge, parce qu'elle a un an de plus que moi. Ah si, c'est vrai. On serait presque jumeaux, tu veux dire. Ah bah, ça se tient, ça se tient. Oui, en plus, hein. Jumeaux, mais pas la même mère et pas la même date, quoi. Du coup, vous les travaillez dans quoi, vous? Pas le même pays. Non, pas le même pays. Les mêmes parents. Pour le moment, je suis dans la pêche parce que je sais pêcher. Mais bon, c'est pas ce qui rapporte et puis c'est surtout histoire de se faire des premiers contacts. Alors, dans ces cas, je vous conseille à vous aussi d'aller à la ferme Parker, vous dites que vous voulez oui. La part de Pépito. On m'a appris ça aujourd'hui. Ah oui bon, d'accord. On est obligé de dire de la part de Pépito à la ferme Parker. Hein. Si, non mais dites que vous voulez de la part de Pépito, c'est important. Ah oui. S'il vous plaît. C'est du parrainage, non? Si, d'une certaine façon, c'est le parc qui va faire le donnage. Je sais pas ce que vous avez dit, c'est quoi le parrainage? Pour le nage. Ah, c'est de compliqué. Ouyou. Mais si, vous dites que vous voulez de ma part, c'est important. D'accord. Signalita, c'est pour mon travail. Je fais des lumières, vous savez, je crée des choses dans les rues. Eh ben oui, j'ai cru comprendre. Et un signal Parker, il m'a demandé, dès que je vois des gens qui veulent travailler, ils y vont. Il faut que vous disiez que vous veniez de la part de Pépito. D'accord. Je le dirai. Il manquerait pas. C'est important, je vous fais confiance. Hein. Vous pouvez compter sur moi, mon petit Pépito. Mais je vous donne $5 en plus. Ah bon? Est-ce que vous avez dit que vous étiez nouvelle, non? Ah oui, tout à fait.
Il va voler. Tu as réveillé. Bon, merci beaucoup, dis donc. Eh ben, je vous ferai de la publicité. Non, non, vous faites pas la publicité, c'est juste que vous n'êtes pas là. Regarde le signal, Duke. Merci beaucoup. Ah, regarde. Mais comment ça brille. Ah, je... J'aurais jamais vu. Je veux la garder, ça, pour le bonheur. Ah, merci. Ah, ça coûte cher, hein. Il la perd pas, hein. Ça vaut 2 dollars, non. Oui, oui, oui. Comment tu sais. Ah, parce que j'habite encore dans le pays. On a fait pas, monsieur Duke. Mais c'est 2 dollars quand tu la fabriques. Après, quand on la vend dans la rue et tout, c'est 5 dollars au moins. Ah, ça, je sais pas. On m'a dit une pièce d'or, ça valait 2 dollars. Ça, oh, c'est pas si cher, dis donc. Bon, c'est l'histoire de. C'est le gouvernement qui gère l'or, hein. Oui, c'est pas beau. Bah merci. Merci beaucoup, Pépito. Mange, oui, bah je sais pas. Qu'est-ce que je veux dire Ouais, pour voir mince. Moi, de toute façon, si je ramène du soufre, je peux le garder dans un coin le temps que tu voilà. Fasses tu vides tes trucs, là. Si, faut que je... Bah tu le gardes dans un coin, au pire tu viens me voir, et on fait les comptes. Ouais, c'est vrai. Non, c'est juste qu'il y a des moments où, tu vois, ça me fait un peu moins chier d'y aller. Je me dis, bon, je fais ça tranquille dans mon coin. On voit, quoi. Pour ça, là, j'étais venu sur samedi un peu pour ça. Mais... C'est cool. Mais du coup, je fais guide touristique. Oui. Monsieur Duke m'a pris sous son aile. C'est ça. Vous faites bien les aides. Vous avez vu. On y va? Oui. Et on peut y aller où? Je vous suis. Comme quoi il fallait qu'on mette les armes sur notre dos là quand on en avait. Ici, quand vous avez des armes, t'es obligé de les mettre sur le dos maintenant. Hein. Mais même dans les villes. Même dans les villes, si. En donc il n'y a plus dans les villes les lois qui disent qu'on n'a pas le droit de mettre les armes sur le dos. Combien de fois j'ai dit que les lois des villes elles étaient débiles. Moi je suis d'accord. Mais quoi, tu vois, regarde, j'avais pas tout long. Ça veut dire qu'ils ont annulé les lois dans les villes pour en rapport avec ça. Et en même temps, c'était logique. Oui, bah, c'est vrai. C'est des lois qui servent à rien. Encore que tu le commandes de faire des choses, pourquoi pas, mais que tu interdises. C'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Toi, t'as pas un contact qui pourrait avoir un double canon chevrotine pas trop cher. Double canon chevrotine pas trop cher. Il est tellement aigu. Tu veux le pistolero? Celui qui a les deux canons. Parle tellement aigu que son micro détecte pas. Pas le canoncier, hein, légal. Une check. Ouais, qui fait Pépito. C'est légal. Ah oui. 330 dollars. Oh bah dis donc. Ça c'est le fusil à pompe ça. Attends, c'est quoi le double canon chevaux? Bah, un long fusil de chasse quoi. Tu veux le Bolt? Non, pas le Bolt, j'en ai un. Y'a pas un long canon à double. Y'a pas un long double canon? Il y a un petit peu long double canon, c'est le fusil à pompe, non? Bah non, fusil à pompe, y'a pas deux canons, parce que c'est un fusil à pompe. Fusil à pompe, y'a une pompe. C'est pas un fusil qui se casse pour recharger. Si, mais y'a un gros fusil double canon. Ouais. Oui, il est à 330 dollars, c'est ce que je te dis. Ah, ben putain, il coûte le même prix que le fusil à pompe, quoi. Attendez, venez. Je crois qu'il doit y être à l'armée en plus ici. Pardon, excusez-moi. Pas de soucis. Ouais, parce que ça m'arrangerait pour la sécurité d'avoir un truc qui arrache un peu de près, quoi, tu vois. Après, je peux essayer de voir pour essayer de trouver quelque chose, moi, de mon côté, mais. J'ai demandé au Gorditos, il y a Signal Duke. Je peux essayer quelque chose pour toi, mais comme je t'ai dit, attends, viens, on y va, ou sinon on va se monter dans le mal. Tu veux, j'y vais voir pour voir combien je peux te le faire, mais ça restera quand même un gros prix, hein. Ouais, bah ouais, c'est pas ça. Et du coup, genre dans les fusils, entre les carabines à la con et les un truc à 300 balles, y'a que le Bolt. Ou alors en plus faut partir sur des armes qui sont illégales. Ouais non, légales. Mais sinon tu peux toujours demander au gouvernement en disant que tu as une entreprise de sécurité
Si tu peux en faire le boulot, Guyoun. C'est pas plus légalisé. Là, il faudrait que je joue le... Enfin, ouais, il faudrait que je fasse l'entreprise de sécurité et tout le bordel. Si, mais tu fais une entreprise et tu fais tout seul pour le début. Ouais. Tu dis que tu veux juste une arme illégale pour le, la faire légaliser, d'accord? Tu la fais légaliser, comme ça tu leur montres qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Pardon, c'est ma faute. Tu penses ça, c'est... Bah, il faut demander au gouvernement, mais je pense qu'ils sont capables. Mmh. Regarde, avant, les shérifs, ils avaient des longs casseurs. C'était bien des armes illégales et ils les avaient pour le défendre. Ouais, mais les shérifs, pas ça. Attendez, je vais vous mettre mon cheval. Il y aura pas de problème. Mais si c'est privé, il peut toujours le demander, lui il a jamais rien de façon. Faut qu'on aille à baseball. De toute façon, j'ai vu le Si, il était à 333$ là, là, Blackwater, je l'ai vu. Ouais, mais c'était un fusil à pompe. Non! C'est un fusil de double canon, le gros. Ah, moi, il me semble bien qu'il y a marqué fusil à pompe. Signor, mais... c'est fusil double canon. C'est ça que tu veux? Ah oui, ils se sont trompés de nom alors, peut-être. C'est possible. $8$ C'est ça le mari appelé qui m'a dit. C'était juste les. Un fusil à pompe double canon, il y en a pas. Munition. D'accord, bah pour le temps, il me semble que c'est $330. J'en ai parlé il y a pas longtemps avec l'armurier. Non, mais peut-être que. Elles sont moins chères là. Catalogue sur le nom du truc, quoi. Les carabines 22, les munitions, elles sont moins chères. Mais par contre, Signor, c'est une arme courte distance, hein. Bah, je sais. Mais justement, ce que j'aimerais bien, c'est pas avoir qu'un bolt pour faire de la sécurité, parce que c'est un peu. Alors, dans ces cas-là, suis mon idée, d'accord? Ton bolt, c'est pour la distance, et tu peux pas avoir deux grosses armas dans le dos, d'accord? Non, non, bah oui. Donc, prends-toi un Le Mao. Un Le Mat. Et ça, le mât, c'est bien parce que tu peux mettre de la chevrotine dedans. Ah ouais? Si, Signor, tu savais pas où? Non, je m'en rappelle plus. Tu veux que je te montre? Viens voir, on va aller au chalette. Ah bah, je peux pas. Si, on va au chalette, je vais te montrer. Là. J'en ai un d'ailleurs. Par contre, là, le mât, c'est $200 hein. Ou 680, je crois. Ouais, 180, y'a moyen. Ah, j'allais manger, moi. Ah, si tu veux, je peux t'en vendre hein, par contre. Bah. Et c'est moins cher qu'au magasin, c'est marrant. Bah, tu sais quoi, on ira voir au magasin lundi, parce que là, c'était ce week-end, je vais aller voir des events. Des events? T'as compris, hein? Ouais, moi, je serai là. Si, ce week-end, je vais aller voir des events. Et je serai là du coup lundi. Et lundi, je vais être là un peu tard, je pense. Comment il appuie dessus, il est trop rigolo. Les events. Genre. 22h30, 23h. Je pense. Si, d'accord. Mais moi, j'ai un Mao. Et pour le moment, il me sert à rien. Donc, si tu veux, je peux le vendre. Par contre, faut quand même que je fasse un peu d'argent dessus, hein, c'est un bolton. Oui, non, mais je vais pas te faire un rabais de malade. C'est juste un cher que magasin. Comme c'est bon. Oui, bah ça, je peux m'allonger en plus pour le toit. Ou... Bah, c'est gentil. Et en plus, comme on travaille. Bah, comme des fois, on est arrivé à travailler sur certaines affaires ensemble. Ah, vous avez des collègues? Oui, il y a très longtemps, hein. Depuis, il a fait son chemin. On va faire 10 ou 20 ans maintenant qu'on n'a pas travaillé ensemble. Ah oui, bah j'imagine bien, oui. Ah bon. Au moins 20 ans, oui. Les chalets, ça adore. Ah, bon. Ah oui, ça, pardon. Je me rappelais plus où on allait. J'ai resté mis, c'est ça. Oh, il y a 20 ans de ça, j'avais plus tout de ma tête, hein. Ah, bien sûr. Hein, c'est pas facile. J'abandonnerai et j'irai manger et puis. C'est drôlement, t'as pas l'œil. Peut-être parler un peu plus fort. Et où, madame Duval, vous êtes armée? Ah, j'ai. Un tout petit.
Un tout petit truc sans balles. Effectivement. Une carabine 22. Une carabine 22 pour les petites bébêtes, mais bon. Quand j'ai pris l'arme, je me suis pas rendu compte que les balles étaient si chères. Par contre, signorita, si tu as une carabine, il faut que tu l'équipes dans ton dos. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu, c'est écrit. Je peux le faire là. Bah, je l'ai pas sur moi. Hop là. Je l'ai pas sur moi. Ce n'est pas grave. Voilà. 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 En même temps, moi, je trouve ça normal que ce soit équipé dans le dos. Oh, j'avais zappé. Moi, je te le dis, hein, signal. Hein. Tu sais comment ça va se passer? Y'a tout le monde qui va faire comme l'on est en train de faire toi et moi. Ils vont se mettre sur un cheval, ils vont demander à quelqu'un de se mettre derrière pour qu'il cache l'arme. Et ça, je suis sûr que ça va se faire. T'as dit, s'il a une grande arme, on la verra dépasser, je pense. Entre à gauche. Qui à gauche? Non, je connais les gens, hein, je les connais. Hein. Tu sais aussi, toi, signal du Haut-Canon. Ouais, non. Oh, bah dis donc. Ah, vous avez vu mon cheval s'asseoir, c'est pour ça? Ah non, je m'attendais surtout pas à ce qu'on aille ici. Ah, ah c'est juste pour aller, parce qu'il a des trucs dans sa charrette. Non. C'est bon, viens voir. Ouais. Tournement impressionnant. On pourrait tourner un cinématographie. Acheter des charrettes. Ok, venez avec moi, on va à l'intérieur. Vous laissez la vôtre quand vous en avez une. D'accord. Ça pourrait être utile. L'avantage des charrettes, c'est qu'il y a eu ces coûts à stocker, tu vois. Bah, il y a un petit coffre, quoi. Oui. Et de ralentir comme si j'étais à cheval, mais je suis pas à cheval, du coup, ça m'accroupit. Là, tu vois, c'est où le marou. Ouais. D'accord. Et quand tu vises, tire pas avec. Si, t'as le droit ici de tirer. Ah ouais. Ah oui, c'est le champ d'entraînement ça. Vas-y, c'est là où ils entraînent les shérifs. Oh, alors c'est du. S'ils me disent quoi que ce soit, je m'énerve contre eux, hein. Ouais. Donc, tu vois, ouais, regarde. Tu pas encore. Ouais. Ah oui. Le Mao. Ah oui, d'accord. Ah, je me rappelle plus qu'on pouvait faire ça. Et tu vois, ça ce sera mieux pour ta sécurité, hein. Ouais, c'est sûr. Ah le truc c'est après c'est, tu sais c'est, faut que ça se voit. Ouais. C'était plus voir, pour du regarde, visuel. Si voilà. T'es comme ça, ça va se voir. Ouais, non c'est... Regarde comme ça tire. Putain, tu veux l'essayer? Drôlement impressionnant. Ouais. Moi j'ai mon Cattleman sur moi. Et alors c'est pas grave, t'as de la place ou pas où? Oui, oui. Pas où. Okay. Moi j'ai mangé un petit morceau mais il faudrait que je mange. T'as plus de place. Mais c'est... Non, ah, il fait plutôt de... il fait 4 kilos ton flingue ou quoi? Ah, il fait beaucoup, oui. Ah bah ouais, c'est ça le problème. Bah de... au pire, tu me donnes quelque chose et puis je te le lance. Tenez, venez là, madame Duval. Venez contre moi. Oh bah dis donc. Eh, hop. Petit coquin. Ah, si, vous avez vu. Et ce c'est donc. Ah oui, d'accord. Tiens, je te donne une balle... Attends, tiens. Il donne-moi quelque chose, j'ai donné une balle. Ah oui. Je sais pas ce qu'il m'a donné en fait. Et voilà où, tiens où. Mission, d'accord. Je sais pas vu ce qu'il m'a donné. Donc, là où. Voilà, il y a un petit clan en bas où. Y a, ouais. Tu mets la mitraille. Voilà où. Toujours debout, Denis. Bah, toujours debout, rapide. T'as rechargé par contre, hein. J'espère que t'as rechargé. Ouais, bah ouais. D'accord, bah là tu peux tirer. Ah ouais, c'est. Ah oui, oui, c'est tout dans la finesse. Ça fait plaisir, hein. Effectivement. Ouais, mais c'est ça qu'il faut.
Ouais, c'est pas mal. Ah, faudra qu'on voit le prix. Et... Il m'a donné quoi? J'ai pas vu. Les carottes. Il m'a donné des carottes, je crois. Je sais plus laquelle est ton arme. Tiens, je te donne celle-là pour le moment, et tu me dis. Moi, il est pas. Il est pas custom du tout. Ma compte, c'est bon. Je me suis pas trompé. Et tu vois où? Qu'est-ce que t'en penses, le marron? C'est pas mal, hein? Ouais, il est cool. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus. En même temps de mon bolt, du coup, c'est la bonne solution. Ah oui, comme ça, toi, tu et peux tout faire. Tout vite autour de dos, ok, Vanille, petit rapide. Ouais. Imagine un jour, t'as un problème. Tu changes juste d'arme. Ouais. T'as pas besoin de. D'aller dans ton cheval pour changer l'arme, blablabla. Bla. On va donner des carottes, oui, c'est ça. Ok. Bah écoute. Écoute, je te le garde pour le moment, d'accord? Ouais. Moi, j'en ai acheté un autre. Qu'est-ce qui va me sortir? Désolé, hein, je sais pas si ça vous intéresse. Oh, bah pas de soucis, non, il faudra simplement que j'aille me faire un petit frichti bientôt. Vous avez faim, c'est ça? Un petit peu. Mais bon, j'ai plein de carottes maintenant. Bien, tenez. Ouais, mais les carottes, ça se mange pas de même. Je vous ai donné des cibles. Oh, bah merci beaucoup. N'y a pas de problème. Et vous pouvez garder les carottes. Ah, c'est bon, je suis en train. Un petit civet là, comme ça, dans la plaine. Civet de la ferme par cœur. Regarde! Ouais. J'ai acheté ce. Attends, oh, attends. Ça, c'est le même, ça. Oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est mon nouveau! C'est. Ça tire quoi, ça? C'est un semi automatique, regarde comme ça tire vite! Oh! Oula. Je m'éloigne, je m'éloigne. Ah oui. Ça tire vite, hein! Ah oui, ça rigole pas. Ça, avec ça, tu fais la sécurité aussi, hein! Ah bah oui, je vois ça. Ouais, bah celui-là, il doit pas coûter 100 et quelques. Oui, oui, oui! Dans les plans, j'ai aussi un volcanique, tu vois, là! Volcanique, je vois. Tu l'as déjà vu? Gens, ouais, ouais. D'accord. Celui-là, y'a pas grand monde qui l'a, hein! Coûte cher, hein! Non, c'est vrai que je vois rarement. Et. Il y a une gueule bizarre, quand même. Tignol, ça c'est quand tu veux faire la sécurité la pochée, t'as même pas besoin de fusil à pompe, hein. Utilise ça à 1 mètre de la personne, c'est fini. Ouais, c'est sûr. Oh, okay. J'ai l'impression que l'autre arme est plus impressionnant. C'est vrai. L'autre, elle a arraché une jambe. Celle-là, on va dire que c'est plus pour le viser, neutraliser. Ouais. On fait une... Quand ça fuit, quoi. Et vous avez déjà dû faire ça pendant que vous faisiez la sécurité, monsieur Duke? Non, en vrai, j'ai jamais eu à tirer quoi que ce soit. En général, j'ai pas besoin. Si, mais celle-là, elle est vraiment extraordinaire. Ça, je dis pas. Pourquoi tu bats toujours avec ton c'est un cattleman doré que t'as à chaque fois, là, non? Si, c'est celui de mon papa, ou? Ouais. Papa, ou? Si, bah, il est mort et il avait cette arme, mais c'était le plus grand bandit de l'Ouest. Ouais, ouais. Vous comme il est grand le fusil, le canon. Ouais, je vois ça. Il est plus grand que ton bras. Oui, oui, oui. Disons qu'on a du mal à le cacher dans le pantalon, quoi. Si, je le mets derrière, c'est pour ça que j'ai un grand manteau. Oh, bon, en tout cas, ouais, si tu peux me garder de la mat, ça m'intéresse. D'accord, bah je te le garde. Normalement, je crois que les lunars en ce moment c'est 190 ou 180. Ouais. Faut qu'on voit, mon. Oh, bientôt ça cure, on va pas tarder, nous. Écoute, ce que je ferai, de toute façon, faut que je vois Signor Jasper Small. Je lui ai envoyé un télégramme, mais il répond pas. Donc j'irai voir avec Signor Jasper Small et avec celui de Armadillo. Monsieur Small, j'entends souvent des gens qui le cherchent, hein. Je sais pas, il doit pas être là souvent. Oui, en ce moment, il est plus beaucoup là, ouais. J'essaierai de voir combien ils me proposent les deux, je ferai la moyenne. Et ensuite je réduirai de quelques dollars pour que ce soit plus accessible. D'accord. Accessible. Accessible. Docteur Carl, accessible. Vous pensez vous moquer, j'essaie de le dire. C'est pas le même type d'accent. C'est un peu plus germanique là. C'est compliqué quand même comme mot. Hein. Il est de plusieurs origines. Nous avons des moyens de vous faire parler. Mexicano, brésiliano, germanique. Signor, je te l'ai déjà dit, mon papa il était mexicano.
Et ma maman, elle était les yeux bridés. Oui. Eh bien, oui, ah, c'est pour ça qu'il y a... D'où l'accent allemand. L'accent un peu basique. Mais non, mais comment tu dis? J'ai pas l'accent brésilien. Il y a allemand. Non, non. Mais non. Je... Évidemment. Oui, non. Je me touche de mon accent. J'y peux rien, moi. Pas moi qui suis né avec cet accent, quand même. Eh ben, moi, j'aime beaucoup cet accent, surtout quand vous chantez. Ah, mais je chante beaucoup, alors. Ah, bah, vous devriez. Non, par contre, il joue bien de la guitare. Ah. Ah, oui, ça. Tant de talent à 13 ans. Je joue bien, c'est tout. Il fait face à mon neveu. Signorita, pourquoi tu deviens pas Mélisse ? Mélisse ? Ah, j'ai l'impression que les enfants ici, ils ont pas besoin de beaucoup de parents. Non, j'ai pas dit ça. Mélisse ! Ah, Mélisse, ah, parce que je suis arrivé hier. Déjà. Disons que c'est pas la fonction qui me dérangerait, mais bon, on va peut-être attendre de connaître les habitants avant d'envisager de la diriger. Oui, d'accord. Signor Duke, tu en auras besoin pas de larmes ce week-end. Ton personnage est marrant. Je meurs, ouais. Si. Ah, c'est possible. Est-ce que tu veux que je te le plaide en attendant? Ah, je veux bien, ça, si tu en sers pas, pourquoi pas, hein, parce que je suis pas là. Ouais, c'est deux places encore. Bah, normalement, toujours la même. Tu donnes les balles qui vont avec, hein. Merci. Regarde, tu vois, je fais les choses bien quand même, hein. J'ai donné 7 balles en plus, hein. C'est gentil. Par contre, juste une chose. Vas-y. Quand tu mets les balles de... Oui. De chevrotine. Ouais. Une fois que tu retires ton arme, les balles, on va dire qu'elles tombent, hein. Et bien ce perso d'avant aussi. Bah oui. On va dire qu'elle tombe quand je retire mon arme. Ah, mais non, je confonds. Ah, moi, oui, je connais pas ce perso d'avant. Oui, voilà, t'as compris. Ouais, ouais. Voilà. Je fais attention, d'accord. Donc, fais attention. N'utilise pas tout le temps, vu le pli des balles. Ouais, non. Que, en fait, non, le tire le à chaque fois que tu tires. Oui, ça vous fait de la production, eux. Oui, en plus, mais bon, après, moi j'aurais besoin. Parce que c'est lui qui travaille pour faire. Après, je vais en acheter, ouais. C'est pas mal ça. Je vais te payer en balles, du coup, ce sera plus simple. Mais j'ai encore un billet. Pas comme si j'en utilisais beaucoup, honnêtement. Si, je sais bien. Bon, comme ça, tu peux apprendre à t'en servir. Bah, disons, j'avais plein de billets sur moi. Bah, tu le gardes, si ça te plaît pas, tu me le rendras. Ouais. C'était mon premier pistolet, hein. Voilà. J'ai bu plein d'eau. C'est ton premier pistolet, tu vois. Si. Ok. $190. Si. Eh ben. Si, en même temps, le premier sur le... Je suis arrivé, j'ai fait de la musique, j'ai gagné $200. Hein. Ah ouais. Donc j'ai tout de suite acheté. J'aurais bien aimé être doué, moi. Bah, vu que le perso existe plus... vas-y, là. Voilà. Moi, je suis juste devant, du coup. Pas grave. Hop, c'est ouais, correct. Vous avez une grosse voix, vous devriez chanter, hein, vraiment. Bah ouais, mais... Avec du piano derrière. Ah ouais, je sais jouer du piano. Quoi. En plus. Mais bon, le piano dans la rue, c'est plus compliqué. Oui, mais au saloon. Mais vous allez dans les saloons. Oui, j'ai pensé à un moment de faire piano-bar, hein, mais bon. C'est pas qu'on se fait un peu chier, mais... Génial, vous faites piano-bar sécurité en même temps. Vous gardez ça... du piano. Vous faites votre propre sécurité. Ça peut être pas mal. Moi, je connais pas Perse. Le piano, ils sont mis juste devant le saloon. Comme ça, on voit qu'il entend en même temps. Physio-pianiste. Mais c'est d'avenir, ça. Et que je veux pas que quelqu'un rentre, je joue un truc triste. Si, ou alors, il y a des gens. Il y a là, je les ai vus, ils font du piano. En fait, quand vous marchez, ça fait... Ah, mais c'était lui. Il y a que le piano, en fait, le pianiste, il le reprend. Mais je crois que c'était un autre. Je sais pas si c'est lui pour faire ça.
crois que c'était un autre perso qui était le père, qui me parlait en comme ça. Voilà, ok, ok. Vous voulez qu'on aille voir ceux qui font des cigales ou vous voulez laisser dans Saint-Denis? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez faire, madame Duhem? Oh, bah, je vais peut-être pas tarder à y aller, mais après, ça dépend, c'est loin. C'est pas loin. Y'a Mike qui est là-bas ou y'a Warren Moranito? C'est une ambiance, hein, si vous voulez. Ah oui? Bon, allez, pourquoi pas, allons-y. Oh, j'ai vu, c'est Dieu qui l'a cassé les chaises. doit vraiment pas y avoir chez eux dans le coin pour qu'ils viennent même pas voir qu'on a tiré. Si, en plus, j'étais juste à côté. Hein. Ah ouais? Oui, c'est vrai que ça semble très calme aujourd'hui. Après, le truc, c'est que les chiens, c'est des embrouilles, ils s'entraînent ici. Alors, oui, mais j'ai remarqué, je suis déjà venu ici. Non, j'avais dit. Eh bah ouais. Et juste le beau cheval en fait. Waouh! Ah, le beau cheval! Signorita, montez avec moi, on ira plus vite. Ah, d'accord, très bien. Vous allez voir, c'est très confortable. Quelle belle bête. Oui, ah, vous parlez de moi, vous parlez du cheval. Oh bah tiens les deux. Oui, oui, oui. Vous êtes un peu trop agi pour moi. Mais enfin Mino. Oui, oui, oui. Tu pourrais être mon fils caché, tiens. Ou mon petit-fils caché, même. Oh non, c'est toi, maman, c'est toi qui m'as abandonné. Ah, y'a peu de chance. T'as été à Rouen quand t'étais bébé. Rouen. Ouais. C'est une grande ville de Normandie. Non, très, très connue. Presque comme Paris. Toi, ou... effectivement. Regarde, il est heureux, il est en train de manger tout dans son cheval. Ouais. Vous allez voir, le loup avec ma cheval, c'est incroyable. La précision que ça a à distance, c'est incroyable aussi. Ouais. Oh, je m'embarque dans un truc. Je ne sais pas dans quoi on s'en bat, mais on s'en y va. Ça fait des rencontres. Et quelques doigts, je crois, me semble. Bon, vers 5h, on va se coucher. Hein. Voilà, c'est facilement la panthère. Ouais. Problème, Seigneur Duke. Moi, je viens vous chasser la panthère. Mais je suis pas sûr qu'elle se montrera à vous. Bah, ça fait 3-4 fois que j'essaye, je la vois pas, mais. Seigneur Duke, vous êtes au courant qu'il y a une épidémie avec les animaux. Oui, ah. Mais c'est censé s'arranger. Ah, c'est pour ça qu'on voit pas d'animaux. Je sais pas. Parce que c'est vrai qu'à part. Un cerf, j'ai rien vu. Ouais, je sais pas. Je vais devoir accompagner. Ah, ça me détend de. Gentil. De chercher. Attendez, je crois que c'est ici. Du coup, c'était pas loin. Ah oui, effectivement. Ah, c'est toute cette plantation de tabac. Mais encore plus petit. C'est ici, oui! Je crois que c'était à l'intérieur là. Mais non, c'est ici! Hein? Si, y'a Mike, il fait beaucoup les. Il fait beaucoup de cigares en ce moment! Ouais. Si! Lui, il le vend cher, lui aussi! Ouais, je les achète pas assez cher. Ah, sacré plantation! 70 cents, non, c'est ça, oh, le cigare! Ouais. Si, si, c'est ça! Oh. Mais il a raison, y'a. Y'a plus personne qui en fait, donc D'ailleurs, moi je vous conseillerais de faire ça, mon Seigneur Duke. Pour gagner un peu d'argent quand faire du tabac. Mais si je t'écoute, je fais tous les métiers du monde. Seigneur Duke, je vous assure, ça gagne beaucoup ça en ce moment. En même temps que le piano bar. À gauche. Encore une fois, hein, c'est juste le facteur de me faire chier pendant des heures. Non, mais vous faites pas ça pendant 10 heures. Vous faites ça une fois ou deux par jour, il y a encore le maximum, non? Ah oui. Une fois ou deux qui dure combien de temps, quoi? Ah, c'est pas le plus passionnant. Ah, je peux sauter sur le cheval. Oui, je vois qu'ils sont partis dans le mille. Mon avis. Ils sont dans la grange, c'est bon, j'ai vu. La grange, elle est ouverte.
À gauche. Ah oui, il y a quelqu'un. Vous pouvez descendre. Et voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah non, il est pas là-haut. Bonjour. Oh bah ils ont dû partir dans le mine. Ils font sécher les... Ah oui. Tabac. Ça sent fort. Ah c'est... J'ai déjà vu dans un... Dans une production de tabac. Tu fais des attentions quand tu vas sur le Guama avec le marron. Oui non bah... Bien. Vas-y plutôt avec un Gadulman hein, quand tu vas à Guama. Je suis pas trop con ça. Comment? J'ai dit ça, je suis pas trop con. Voilà. Non mais je te préviens, c'est pour toi. Bah, bien. Parce que les le main, oh, c'est bon, bien bah, le coup, comme comment t'es avec vous? Allez-y. Je plie, les gens, ils s'en font plaisir. Ouais, non mais je sais bien. Je sais bien. Non, mais j'ai pas l'habitude de faire attention. Toi. On peut faire un petit tour à la route, mais après, finitos. Hein. Ah bah j'en viens, il y avait pas grand monde, hein. Ah. Bah venez, c'est par là, venez, c'est plus rapide. Alors, il semblerait que ce champ appartient à un homme, un noble. Ah bon? Et donc du coup... Ah oui. Effectivement, si. On s'attend pas à trouver ce genre de demeure dans une production de tabac. Si, tout à fait. Et en fait, il a décidé de faire le tabac parce qu'en fait, il avait un problème. Il faisait des... Avant, il faisait du raisin. Tout a brûlé. Du coup, il a fait du tabac. Ça brûle pas le tabac? Si, ça brûle aussi. Mais le raisin, on va dire que les vignes, c'est plus cher que le tabac. Ah oui, ça, c'est pas beau. Au final, il est devenu très riche avec son tabac. Mais à votre âge, petit pépito, j'espère que vous fumez pas le cigare quand même. Ouh. C'est un petit ouza. Pas de quoi tu parles. Après, même les médecins, ils en vendent des cigarettes et des cigares de toute façon. Si, y a du cigare médical. Médicinal. Mais enfin, ça fait tousser les enfants tout de même. Ouais, bah. Au moins, j'ai pas aimé quand j'ai pris le cigare. Par contre, le cigare, ça va en gros. Oui, ça c'est pas bien méchant ça. Cigarette, is ok. Yep. Et du coup si le tabac, on peut le vendre cher là. Ouais. Seigneur Luke, je te propose une chose. Bah là haut, d'accord. Et regarde combien tu en fais et combien tu fais d'argent. Tu verras que tu reviendras vite vers moi. Pourquoi tu le fais pas du coup? Non, je dis tu verras que tu reviens vite vers moi. Ah oui, d'accord. Par contre, comme je t'ai dit, fais attention. Faut quand même que j'arrive à vendre maintenant parce que. On est en train de créer une pénurie pour que les armuries nous prennent plus cher. Et si nous prennent plus cher, du coup, on peut vous payer plus cher. Moi, c'est mon but. Hein. Ouais, et ça fonctionne? J'aimerais bien un jour, pour 20 minutes, vous payez 20 dollars. T'imagines 20 dollars la minute? C'est incroyable. Ouais, j'ai connu certains tarifs comme ça, oui. C'est dans ma jeunesse. Vous faisiez du soufre? Ah. Ou vous faisiez dans le sulfure? C'est peut-être plus ça, oui. Ah. Bon, du coup, moi je vais retourner à Saint-Denis. Très bien. Bah, merci beaucoup de la balade. Et bonne soirée. Vous restez ici, vous? Oh, bah, je vais. Aller dormir, je pense. Ouais, un petit peu, voilà. D'accord. Voir si le salon est ouvert. Bonne nuit, du coup. Et bah, très bonne nuit, Pépito. À bientôt. Au revoir. Bon, bah, finalement, je finis à Rhodes. Ah, si vous voulez, je vous emmène quelque part. Oh, bah non, non. Non, non, ça va aller. Non. Si, c'est très bien. De toute façon, j'ai pas encore de logement fixe. Oui.
Oui, moi j'habite chez quelqu'un. Oui. Mon ancienne patronne, qui est voyante justement. Ah bah oui, c'est la petite voyante. Mais ouais, c'est sur Blackwater, du coup je vais retourner par là-bas, je pense. D'accord, d'accord. Bon, bah, je vais me poser ici pour cette nuit et puis Et puis je continuerai un peu mes visites demain. Bah, vous avez bien raison. Bah, mais... demain je suis dans l'état si on se croise. D'accord, vers ces mêmes heures, j'imagine. Oui, même plus tôt. Hein, je... Très bien, mais c'est bon à savoir. Je serai sûrement là un peu plus tôt. Ah, voilà. Très bien, bah, merci beaucoup. S'il y a besoin de quoi que ce soit, un radio. Oui, c'est facile à retenir et facile à écrire. C'est vrai. Bah merci beaucoup, passez une très bonne nuit, une très bonne soirée. Et puis, quelle revoyure. Ah oui, il a pas de salé. Ça arrive. Ça arrive, d'accord. C'est un projet, ça. Ça va, en tant que dame, c'est moins dérangeant. Bonne soirée. Oh là là. Bah si, qui l'a cru, hein. Ah, sacré Gail, il nous a rejoint. Merci à lui. Ah, je suis encore pas tout à fait à l'aise, mais ça arrive, ça arrive. Ouf. C'était très rigolo, en tout cas, Pepita est très rigolo. Pour moi, je restais un peu en retrait, mais ils parlaient entre eux. C'est difficile d'intervenir. 11h, bonsoir, je ne fais que passer. Et puis voilà, c'est vrai qu'à Blackwater, moi j'ai nulle part au crèche, donc je m'en fiche. C'est juste, est-ce qu'il y a un saloon ici? Et comme ça, bah, je verrai si demain... Alors je pense que je vais me connecter par contre en journée pour profiter un petit peu du The Event le soir. Ouais. Et puis voilà. Bonjour monsieur. Il n'y a pas de saloon ici? En tout cas bon, voilà. Ni Lex ou ni petit Lix, merci d'être resté avec moi. Je peux prendre la place dans la conversation, faut dire. Oui, voilà. Et puis moi, ne connaissant pas, tu vois, ça me paraît pas... Allez. Ça me paraît pas très logique de... Voilà, je faisais des petites remarques, je posais des petites questions, parce que ça m'intéressait aussi vraiment quand il parle de se faire du fric. Ça intéresse... Oh, je pouvais récolter. Ça intéresse la petite Denise, parce que bon, elle, voilà. Elle pêche simplement parce qu'elle sait pêcher. Mais vraiment, elle a aucun... elle a pas de... Voilà. Elle aime bien la liberté de la pêche, mais c'est tout, quoi. Elle a pas d'aspiration à pêcher plus. Du coup, je vais mettre à jour Pepito. Il est dans le... le soufre. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de saloon en fait ici. Bon alors c'est ici, mais Waouh! Elle a fait quoi, vous avez vu? Et bon merci, il m'a beaucoup aidé. Faudrait que je lui envoie un petit télégramme pour le... Ah c'est à chaque fois que je dois passer là. Oh putain le... Oh là là, la distorsion des enfers à chaque fois que je dois passer là. C'est le cheval qui veut pas. Ah si là ça veut bien. C'est fort bizarre. C'est fort bizarre. Comment ça parlait comme Denise. Puis je voudrais qu'elle parle un petit peu plus comme une parisienne, mais c'est difficile. Voilà, quand on est très concentré sur les gens, sur ce qu'on entend, sur comment jouer aussi, bah, c'est pas toujours facile d'être naturel. Mais du coup, le motel, il est fermé alors. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose en fait à Valentine. Ah non, je suis à Rhodes, je suis pas à Valentine. Blackwater, j'aurais peut-être dû rentrer à Blackwater en fait. Mais ici, il y a un spot pour vendre des poissons. Je viens de me rendre compte. Mais y a pas d'endroit où dodo, j'ai l'impression. Ou alors
Je me mets là. Je me mets là et et puis je vois si je me mets quelque part autour quoi. C'est con que ce soit fermé, je suis dégoûtée, il y avait un grand hôtel. Je me suis dit bah voilà, on va se poser à l'hôtel. Bon bah non, on peut pas. Sweetheart, il m'a appelé. Je vais peut-être aller jusqu'à Valentine. Voilà. Je vais aller jusqu'à Valentine et puis on reviendra ici demain ou je ne sais quand. Mais du coup, bah voilà, vous faites les oiseaux de nuit comme moi. En fait, je suis plus proche de Saint-Denis, on va à Saint-Denis, non? Franchement, hein. On va faire ça. Ouais, on va aller à Saint-Denis. Merde, m'a touché ma dent. Voilà. Parce que faut beaucoup spammer en fait, pour les paliers de vitesse, faut spammer Shift. Voilà. Mais ouais, très sympa de sa part, le petit Ray, de nous avoir aidé. Je suis endormie au début. Et maintenant, je suis pas réveillée. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est quand tu loupes le coup de barre. Bonsoir. Viens voir la VOD. Bah au début, j'ai fait quoi? Je fais une rencontre d'une dame. Voilà, bon, très sympathique tout ça. Après, on a vu Monsieur Bradley Cooper plus tard. Mais entre les deux, on a eu au moins une heure de pêche. Pour avoir enfin mes 20$. Et après on a rencontré un monsieur qui nous a dépanné, voilà. Et une fois dépanné, bah on a commencé à partir un peu à l'aventure. J'ai dû un tout petit peu pêcher pour voilà, je fais un tout petit résumé pour que tu saches si t'as loupé des trucs, mais du coup en vrai c'est vraiment là depuis 3h du mat, 2h30 du mat qu'il se passe des trucs plus. Ouais même depuis, oui c'est ça, 1h, 2h. Que avant bah on est voilà, Blackwater avait personne à part une dame et voilà quoi. Faudra un petit peu aussi que je pose des questions aux gens sur leur background et tout, parce que bah quand on a passé du temps à faire son background c'est bien. Bon je le fais pas trop tôt parce que voilà ça sert à rien, c'est un petit peu précipité. Mais faudra que je pense petit à petit, typiquement Ray. Effectivement, on va dire que c'est pas difficile de faire semblant de pas le connaître bien. C'est difficile par contre de penser à lui poser des questions auxquelles j'ai déjà les réponses. Typiquement, je connais son background du coup vu que j'ai regardé les lives. Typiquement, oh la vache, le bruit que ça fait. Des questions sur son passé, tout ça. Enfin un petit peu, mais en même temps, bon, voilà. Mon personnage n'étant pas causant, mon personnage n'étant pas une fouine, ça fait aussi ça. Donc j'essaye d'être logique, mais bon, c'est que mon deuxième jour de RP. Hein. C'est que mon deuxième jour, c'est très cool, c'est vraiment génial. J'espère juste réussir à être à la hauteur. Et puis des fois, j'ai tendance à avoir un petit peu peur à m'embarquer dans des trucs parce que j'ai peur de pas être à la hauteur justement, donc ça c'est une erreur. Mais quand t'es accompagné, c'est plus facile aussi. On verra si... je recroiserai et puis on arrive, je sais pas, à je sais pas.
Où est le saloon à votre avis? Pas loin hein. Attendez, là je vois qu'il y a quelque chose. Ah bah saloon, bah voilà, pas loin, bah oui il est là. Puis faudra qu'on s'achète une tenue plus adéquate à la région. Mais du coup, bah, grâce à eux tous et à leur aide, j'ai des sous. J'ai un peu de sous, c'est pas une fortune, mais franchement ça me dépanne tellement. Je vais manger. Puis let's go. Bonsoir. Café, beignet de crabe, 40 cents, tarte aux poires, 20 cents, ça va. Ah, j'aurais pensé qu'il y aurait de la nourriture, mais peut-être ailleurs. Parce que je vois là, qu'il y a peut-être autre chose dans le coin. Ou pas. Je vais voir si à l'étage, il n'y a pas autre chose. Genre un restaurant, un truc. Bonsoir! Bonsoir, Shrapnel! Je crois savoir qui c'est! Ah! Ah! Non, je vais pas ouvrir cette porte. Bonsoir, bonsoir! Non, bah non, Ah bon? Non, mais... Peut-être un rapport avec une rencontre que j'ai eue. Non, mais bonsoir, j'espère que ça va. Non mais c'est qu'en fait je croise des gens à RP en ce moment et ils viennent après souvent sur le live après en disant hey, t'es croisé. Du coup vu que je viens de croiser des gens, voilà. C'est plus si pot. Bon bah je vais prendre une tarte aux poires. Espérant que ça nourrisse un petit peu, mais je pense que ça va pas nourrir des masses. Bonsoir. Bonsoir. Oula. J'ai rêvé. J'avais là au pif. J'en ai un peu les streams sur la G. Ah d'accord, rien à voir. Bah salut à toi. J'entends ton ventre gronder. Ah mais j'ai un CV au pire, mais je voulais garder pour plus tard. On va utiliser, on va voir. Ça va. Ouais, excusez-moi de vous déranger, mais vous sauriez, on peut trouver d'autres plats, peut-être Parce qu'ici, ils sont... Il y a beaucoup à boire, quoi. Effectivement, mais si vous cherchez bien, il y a de la tarte, la poire, ainsi que des beignets de crabe. Et ça va? C'est plutôt nourrissant? Alors, je peux pas trop vous dire, je vais tester. Et ben, je vais tester aussi. Mais je crois que si vous allez peut-être au restaurant chinois qui est de l'autre côté de la rue, il y a peut-être... d'autres saveurs. D'accord. Dégister. Oui, je l'ai vu, mais j'y suis pas encore allée. Bah, vous devriez, c'est très très bon. Très bien. Bah, je découvre encore la ville, hein. Je viens tout juste d'arriver. Ah, bah, moi aussi, ça fait que 2 jours. Ah, bah, pareil. Et bien, très bien. Parfait. Les nouvelles arrivantes. Quel est votre petit nom? Denise Duval, et vous? Et moi, c'est Amy Stark. Amy Stark, ok. Et vous faites quoi dans le coin pour le moment? Vous visitez un petit peu comme je fais? Exactement. Et oui, oui. Et je pense, enfin, j'essaye de regarder un petit peu les entreprises qui recrutent, etc. Voir un peu et on verra bien. Oui, j'ai vu que par chez moi, je suis arrivée à Blackwater, il y avait des entreprises d'intérimés qui recrutaient, mais bon, c'était pour les bâtisseurs. Alors, disons qu'à mon âge, voilà, on va éviter de se casser le dos, quoi. Il ne se réparera exactement. Plus. Exactement, puis nous sommes des femmes, je pense pas qu'on peut porter des charges assez lourdes. Disons que, voilà, moi, c'est pas le genre de métier auquel j'ai eu l'habitude durant ma jeunesse. Mais bon, il y en a certaines qui sont très fortes. Hein. Je dirais que ma vieille carcasse ne l'est plus. Oh, mais ne dites pas ça, ne vous rabaissez pas comme ça. Je suis sûre que vous êtes une femme forte. Oh, mais vous êtes adorable. Bon, dites-moi, Amy Stark, c'est ça? Je retiendrai. Et vous habitez ici?
Alors, je vous avouerai que pour le moment, non, en fait, je visite un peu toutes les villes aux alentours, voir laquelle me tape dans l'œil pour pouvoir m'y installer. Et ce serait la grosse cagnotte, merci, c'est de travailler dans la ville où que oui. J'apprécie. Je comprends tout à fait. Je viens de Blackwater, bon, c'est une ville très sympathique, mais effectivement, je commence un petit peu à visiter autour et... Oh bah c'est, on va dire qu'à certaines heures c'est très 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 vivant, très mouvementé, voilà, très mouvementé. D'accord. Mais bon, quand on tombe sur les heures creuses, on entend le vent souffler quoi. Je vois. Donc bon, on aura peut-être l'occasion de se croiser. Mais oui, avec grand plaisir. Ah oui, aussi, vous pourrez peut-être me retrouver si vous me cherchez. Je suis journaliste aussi, enfin il y a pas longtemps que j'ai commencé. Oh, très bien. Donc, si toutefois vous entendez des petites choses. Ah oui, bah c'est bon à savoir, tout à fait. J'en ai rencontré une, il me semble, une journaliste, Olga Phillips. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, tout à fait, c'est ma collègue. Mais je ne l'ai pas encore rencontrée, vu que je suis toute fraîche dans l'entreprise. Pas de soucis. Mais au moins, ça me fera. Voilà, ça m'en fait une deuxième à contacter dans le cas où. Parce qu'elle est surtout sur Blackwater, elle me disait. Donc. D'accord. Donc c'est bon à savoir. En fait, on a plusieurs voilà, pardonnez-moi, il est un peu tard, je ne sais plus parler. Oui, ça... je comprends. On commence un petit peu fatigué là. Différent, voilà. Oui, d'accord. Voilà, vous comprenez. Je comprends. pas de soucis. Vous savez, je parle aussi beaucoup depuis un petit paquet d'heures maintenant, donc je comprends que. Je pense qu'un bon jus multivitaminé, ça nous ferait du bien. Oui. Effectivement, je vais en prendre un, tiens. Eh ben écoutez, je vais vous accompagner. Eh ben à la vôtre, ma chère Amy. Et puis en espérant que tout vous sourit. Denise. Hop, petit jus multifruit. Oups. Chaque fois. Ah mais c'est, il glisse parfois. Je le rattrape. En fait, attention, c'est dangereux. Oui. Oui, il est pas bien chargé, les balles sont très chères, alors. Voilà, c'est pas facile. Et du coup, vous cherchez dans une spécificité particulière votre travail ? Je m'y connais en pêche, donc j'ai commencé un petit peu comme ça, mais c'est vraiment histoire de me faire des petits sauts au tout début de mon arrivée, quoi. J'ai pas vraiment pas d'aspiration. C'est simplement que, bon, je suis fille de pêcheur, alors je connais un petit peu la pratique. Ah, je sais pas comment vous faites, moi le poisson, j'aime vraiment pas ça. Ah oui, je viens de Normandie, alors on a l'habitude là-bas. D'accord. Ça fait du bien. Tout à fait, ça requinque un petit peu. Bon allez, écoutez, je vais vous laisser, je vais me pioter un petit peu, je pense. Il est temps. Et oui, je pense que je vais y aller aussi. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne nuit, et puis je pense qu'on se reverra très bientôt. Eh bien, avec grand plaisir, n'hésitez pas à m'envoyer un télégramme si vous voulez peut-être qu'on vise toutes les deux à la région ou autre. Oh, bah bien sûr, Amy Stark. Exactement. Alors, comment ça s'écrit pour être sûr ? Alors, E-M-Y pour mon prénom, et mon nom de famille, c'est S-T-A-R-K. Très bien, voilà. Parce que bon, plusieurs manières, au moins... Je ferai pas de faute dans le télégramme. Bon, moi, c'est Denise Duval, Duval en un seul mot. Et Denise, comme Saint-Denis avec un E. E à la fin de Duval ou pas du tout ? Y a pas de. D'accord. Comme un Val. Quoi que ça veuille dire. Parfait. Et écoutez, ravi de vous rencontrer, madame. Et pareillement. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Et tout à fait, avec grand plaisir. Très très bonne soirée, et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Charmante jeune fille. Est sortie en courant. Je crois bien qu'elle est sortie en courant. Ah, pourtant, j'aurais pu sortir le poisson. Ah, c'est très bien ici. Hop. Je me suis payé le luxe de prendre un truc comme ça. Rangé. Ah oui, c'est bien rangé ça. J'ai jeté la flotte. J'ai rangé. Désolée, j'avais un petit peu oublié ma cam. Hein. Normalement,
je la cache. Quand, dès qu'il y a la moindre interaction, je cache ma cam. Là, je l'avais oublié pendant quelques instants. Mais oui, je suis toute nouvelle. Et je vais me coucher.